Le premier sauveteur rapproche la victime de la fenêtre. Il la retourne, puis la place au plus près du mur, afin que le deuxième sauveteur puisse lui saisir les chevilles. Ensemble, ils soulèvent la victime pour la placer assise sur l'échelle, les pieds en avant. Celle-ci repose alors sur les avant-bras et les épaules du sauveteur. Le sauveteur saisit fermement les montants lors de la descente. Cette méthode peut être réalisée à trois sauveteurs afin de faciliter le débordement de la victime. Si la victime est un sapeur-pompier équipé d'un AERI, celui-ci lui sera ôté avant son débordement.